Ah ouais, super. Ah ouais. J'ai pris quelques trucs, Alban. J'ai suivi en gros tes recommandations, mais pas toujours. Déjà, j'ai amené les hybrides packs, parce que partout où il y a des packs, il y a des hybrides packs. Plusieurs coloris. Alors, je sais pas ce qui sera le mieux. Ça, j'y crois assez fort dans ces eaux-là. J'ai pris toute ma collection de spinnerbaits d'Abush, et en particulier les plus grandes tailles. Donc, j'espère que ça va te plaire. Par exemple, on a ça, qui à mon avis peut être vraiment cool ici. En plus, l'armature. Une vraie armature, tu vois. Et puis, je peux mettre les petites balls ici, si on doit pêcher plus profond. Donc ça, j'y crois assez fort. Puis évidemment, j'ai amené des eels. Alors, je pensais surtout faire, pour donner du volume au spinnerbait d'Abush, en faire des trailers. Puis évidemment, j'ai amené les river roach, indispensable. Ça, c'est assez cool. Il y a les quêtes des perchades. Si on doit pêcher un petit peu plus vite, à mon avis, ça peut être vraiment cool. J'ai quand même amené une belle anguille. Ça, je suis sûr que ça peut être cool. Je vois que tu hoches la tête, c'est que c'est bon. On regardera ça dans le détail plus tard. Tu m'as dit que les rattle trout shad ici c'était carton, mais j'ai envie de dire un peu comme partout. Et pour le coup, je t'ai ramené des rattle trout shad, j'en ai recommandé exprès pour toi, puisque la dernière fois qu'on a tourné ensemble, coloris atomique comme ça, ça t'avait bien plu. Donc ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment super sympa. On va essayer aussi. Et puis évidemment, bah là j'ai tous mes principaux leurres big bait avec système line through. Et là, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être vraiment sympas. Bon, là, pareil, spécial dédicace pour toi, mon vieux Alban. Rattle trout shad, 27,5 cm. Ouais, je sais que ça t'a plu, ça, la dernière fois. T'en ai donné une ou deux que t'as massacré. J'ai bien envie de les essayer en lemon back, parce que ça peut être assez cool. Line through trout, 25 cm. Dans ces nouveaux coloris, comme ça, par eau claire, ça peut être vraiment cool. Évidemment, 30 cm, coloris perche. Redoutable, ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment sympa. Toujours en coloris atomique, on va trouver les line trout. Tu vois, j'en ai même pris deux parce que je savais que ça allait faire des dégâts. Puis évidemment, bon, incontournable en bonne trout. Line trout, ça peut être sympa. Alors, tu m'as dit que c'était pas mal ici en coloris arc-en-ciel, truite arc-en-ciel. Mais par chez moi, en France, c'est plus la brown trout qui marche. Donc j'ai une grosse majorité de coloris brown trout. Mais je pense que ça peut être super sympa. J'ai un ou deux moulinets à spouler. Donc comme d'habitude, hein, je ne suis pas dans la dentelle. Ça sera plutôt 28 et 32 centièmes. Déjà au moins quand ça fait une perruque, ça casse pas au lancer, c'est déjà pas mal. Puis je pense franchement qu'il faut ça, ils s'en foutent, ça peut être assez sympa. Salut Alban. Ça va? Ça va? Bah, parfait, content de te revoir. Et bah, moi aussi, hyper content de te retrouver. Surtout qu'on t'a vu dans le Savage World 3, qui est à mon avis le plus beau de tous pour l'instant, mais on va sans doute faire mieux maintenant. Mais je ne suis pas le seul à penser ça, c'était vraiment un très bel épisode. Et je pense que les gens sont ravis de te retrouver. Alors cette fois-ci, on n'est plus en Suède, on est cette fois-ci en Finlande. Exactement. Où je ne me suis jamais rendu auparavant, donc je suis vraiment super content, merci encore. Alors par rapport à la Suède, où on était en Laponie, du côté de Gafsele, niveau latitude, on est quoi? Plus haut, plus bas? Alors, on est à peu près à la même latitude, légèrement plus bas, mais c'est quasiment la même latitude. Sauf qu'ici, nous sommes sur la Baltique, dans un archipel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec, vous le verrez, une typicité très particulière, une typicité géologique. Ouais. Et ça fait de cet endroit quelque chose d'assez unique. Ouais, il paraît. Alors, en plus, c'est un site qui a été popularisé par de nombreux tournages et tout ça, qu'on peut voir maintenant sur YouTube. Alors, on va attaquer tout de suite la pêche, en fait, parce que sitôt arrivé, sitôt parti en exploration, j'ai troqué mon Levi's pour un superbe jogging Savage Gear qui me donne une classe authentique. Tu t'es changé aussi. Exactement. Alors, en ouvrant les tubes, on s'est rendu compte que les bagagistes s'étaient un peu chargés de mes cannes. Donc on aura la chance d'avoir une canne Smith avec nous sur le bateau, une Big Bait. Comme ça, ça permettra la comparaison avec ma Big Bait spécialiste. Et ça me permet de rappeler que tu fais toujours partie évidemment de l'équipe Smith Europe. C'est ça. Une fois de plus, merci à Maria de France de nous prêter Alban. C'est vraiment super sympa. Et voilà, il y aura cette canne Smith qui nous rappellera tout le long et tant mieux. C'est les aléas de certains voyages, malheureusement.
Est-ce qu'en parlant de voyage, tu peux juste me rappeler quelles vont être les conditions de pêche effectives, hein, c'est-à-dire sur quel type de biotope on va se retrouver, quel est en gros, dans son schéma le plus large, la pêche telle que toi tu la recherches? Alors ici, nous sommes sur une eau saumâtre, comme je disais, nous sommes en Baltique. Il y a un tout petit peu d'eau douce, une eau saumâtre, on va trouver du brochet. C'est quasiment mono-espèce, il existe des perches, mais comparé à la Laponie, c'est pas du tout intéressant de les cibler. Brochet, 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 il faut raisonner un peu comme dans un milieu marin. Donc il y a question de marée, question de, bon, tout un tas de critères voilà, qui nous font cibler des horaires de pêche et des zones, bien entendu, bien particulières. Tout à l'heure, peut-être qu'on en parlera plus profondément pendant la semaine, mais il y a beaucoup de facteurs. Tu calcules des systèmes énormément. De niveau d'eau, de salinité, la lune joue aussi un rôle là-dedans. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est très complexe. Et c'est ce qui nécessite aussi l'intervention d'un guide et aussi parce que tu nous as expliqué que la navigation était très dangereuse. Très, très, très compliqué. J'ai navigué dans beaucoup de mers, beaucoup d'océans. Cette zone-là, aussi petite et restreinte soit-elle, c'est quand même l'un des endroits les plus dangereux où j'ai eu navigué. Les différences de niveau d'eau que je vous expliquais, que je clarifierai à certains moments, font que la navigation vraiment est périlleuse. Vraiment très, très, très périlleuse. Il y a tout un tas de facteurs qui rentrent en compte. Et cette structure géologique dont je parle fait que justement on n'est pas dans des conditions normales de navigation. D'où l'intérêt d'avoir un bon guide. Et je sais que tu es parmi les meilleurs. Bah, ça fait depuis 2016 que je guide ici, ouais. Avant et après mes saisons en Laponie. Donc j'ai commencé à avoir une petite connaissance du territoire. Tu verras ça sur place. Bah, tu vas te le montrer ça, on va y aller. Go, merci. C'est parti les gars. D'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, ma petite foire. Accrochez les lumières, sous nos fenêtres. Et si l'humble gagne. Bon, bah, écoute. J'ai suivi ton conseil, j'ai commencé avec un leurre souple dont je peux changer et plomber. Oui. Comme ça, je pêcherai avec différentes profondeurs. Et on va voir ce qui se passe. Ou alors on se met directement avec nos petites truites, toi je sais que t'aimes bien tout ça. Oui, moi je commence avec ça, toi tu prends sur quelque chose de plus léger qui te correspond un peu plus, tu vois, en relation avec ton âge. Ça me tente très bien, tu vois. Vas-y. Je vais commencer sur ce gabarit-là, et on va garder la grosse perche, la perche dehors aussi. Ok, je vais t'équiper ça. S'il te plaît. Il faut juste que tu installes ton moulinet sur ta canne. Il n'y a pas de problème, je m'en charge immédiatement, monsieur Dumas. Merci Alba. Vous êtes trop bon. Et tu vois, la perche, comme les brochets ici, hein. Ça attaque des grosses proies. Ça s'y fait une trentaine de centimètres. Tu m'as dit que c'était pas, tu vois, bah là, par rapport à la 27 cm et demi, voilà, 31 on va dire. C'est pas ce que après ça que tu cours. C'est non. Pas top. Non, pas top. T'en as fait des belles quand même. 40 à 45 cm, ouais. D'accord, mais ça reste plutôt rare, c'est ça. C'est assez exceptionnel. Et en plus, tu m'as dit un truc hier quand on mangeait, qu'on buvait un coup. C'est qu'en plus, c'était pas forcément, là c'est une exception, souvent c'était pas des pêches très, très passionnantes.
Non. Moins qu'en Laponie. Elles sont très pointilleuses, c'est du petit leurre, c'est délicat. Je m'éclate un peu plus à aller chercher en Laponie plutôt qu'ici, oui. D'accord. Bon, on restera sur ce coup de bol alors. Non, mais prise de contact sympa, on a pêché quelques heures, pas une journée complète, mais quelques heures. On va aller se reposer parce que le voyage a été assez long. Malgré tout, on aurait pu pêcher encore un petit peu, mais tu préfères écourter, tu peux nous expliquer rapidement pourquoi? Une des raisons, comme j'expliquais, c'est que nous sommes sur un principe de maritime, donc il y a l'incidence de la marée. Si tu regardes un peu les cailloux qu'il y a à côté de nous, on va avoir en fait le niveau qui est bas. Et si je continue de pêcher, je vais aller sur des zones stratégiquement intéressantes pour les jours suivants, où on devrait trouver du poisson. Donc plutôt que de passer du temps à peigner à surface de l'eau, où je sais pertinemment que le poisson ne va pas être particulièrement réactif. Tu as vu, ça fait deux bonnes heures maintenant, ouais. Où on a des short bites très timides, on a des, des suivis, plus de décroches. Donc on arrête là, et demain est une nouvelle journée. Et on garde les bons spots pour Exactement. Les bonnes conditions. Exactement. Okay. Bon, bah, on rentre et puis on va installer notre campement. Revois un petit peu tout ça, en plus très bonne prise de contact, je peux avoir, on a vu un peu les leurres qui marchaient, les profondeurs et tout ouais. ça, donc je referai une autre sélection, un peu différente, et demain est un autre jour. Demain. De ce que je vois là maintenant, je pense que l'idéal, par rapport à ce que j'expliquais au niveau des horaires de pêche, l'idéal, ça serait que nous partions, que nous décollions à 8 heures. D'accord. C'est pas trop tôt. Ça conviendrait pour tout le monde? Enfin, nous, on est là pour bosser, hein. Ils feront ce que je leur dis. Non, mais parce que sinon, après, si c'est tôt, comme je le pensais, par rapport aux horaires, ça nous ferait beaucoup plus tôt que ça. Mais 8 heures, c'est tout à fait honnête. Bah, écoute, il n'y a pas de problème. Plutôt que de faire tirer le soir, parce que là, j'ai l'impression que le décalage est assez important et ça nous ferait tirer beaucoup trop tard. Pas de problème. Non, mais nous, il n'y a pas de souci. Ne t'inquiète pas. Hein. Allez. Alors, action. Ça va commencer à partir Des piquets. Des piquets, déjà. Le chenal, eh ben, c'est simple. Hein. C'est entre les piquets. Là, comme on a un peu d'eau, tu peux faire des cases sur l'extérieur. Okay. Là, tu es super chalot. Donc, de ce piquet là vert à l'autre piquet là-bas, tu as une belle arête dorsale. Ok. Du piquet rouge là au début de la digue, il y a une arête dorsale. Autant dire que les poissons ils attendent. Hein. Soit vraiment le nez à la hauteur du chalot au niveau des piquets, ouais. Soit ils attendent juste derrière. Je vais te laisser tribord, je vais pêcher bâbord. Hein. Hein. Ouais, tu veux les deux. Allez, c'est parti. Bon, hier la rattle trout shad s'est fait couper le paddle. Donc plutôt que de jeter un leurre, ce qui serait un peu idiot, je vais transformer en shad à palette. Donc je vais réinstaller la Colorado directement dessus. Tout à l'heure je collerai un petit émerillon quand même, mais là pour ce que je veux faire ça suffira. Et puis je vais utiliser mon leurre, je vais juste le recouper proprement droit. Voilà, mais c'est même pas nécessaire. Je vise directement mon tire-bouchon dedans et ça pêche. Voilà. Par contre, je sais pas toi, Geoffrey, mais cette coupure au doigt m'inquiète. Sous ces latitudes, je voudrais pas que ça s'infecte. Tu veux un pansement, Numa? Oui, alors si tu avais un peu de désinfectant, ça me rassurerait beaucoup. Hein, j'ai tout ce qu'il faut. Ça saigne abondamment quand même. Bon. Thank you.
Ah oui. Oh, merci Alban. Parfois, il faut prendre le temps de faire son bricolage. Oh, putain, bien. Ah, voilà. Puis, il est bien gras. Alban m'en parlait, quoi, 10 minutes avant. Il m'a dit, tu sais, t'es pas à l'abri de faire un beau poisson du séjour ici. Voilà, on a le droit à ce superbe brochet. Elle est grosse. Ouais. C'est un message pour ce soir. Putain! Bah, apéro, hein. Hop. Ils sont beaux, hein. Ouais. Belle taille moyenne. Alors, en réalité, ce qui s'est passé, bah, moi j'ai commencé mon junk fishing, mais en fait, Alban n'a pas tardé à trouver le pattern. Comme on a pu le voir, il a enchaîné les poissons. Donc j'ai tout simplement laissé tomber mon junk fishing que je reprendrai peut-être demain ou après-demain, on verra, c'est pas perdu. Et comme on a pu le voir, en fait, pour limiter, j'ai quand même bien pris le temps, même si pendant lui, il enchaînait les poissons, mais c'est pas grave, faut pas paniquer. J'ai pris le temps de terminer mon petit montage, parce que je voulais qu'on ait un paddle tail et une palette quand même pour voir. Et en fait, sans ça, si j'avais continué mon junk fishing avec des petits leurres et tout ça, ce gros poisson, peut-être à la limite qu'il aurait attaqué, mais je l'aurais jamais sorti. Et il faut jamais oublier que des fois, si on pêche big bait, au-delà de la question du pattern, bah, c'est aussi parfois pour être paré à sortir des gros poissons. Et dans un environnement comme ça étroit, où on a peu de marge de manœuvre avec du courant et des poissons très puissants dans ces eaux somates. Souvent, les eaux somates, les poissons sont un peu plus forts qu'ailleurs. Bah, là, ce poisson, on l'aurait jamais mis à l'épuisette. Donc pour le coup, je colle au pattern d'Alban. On va terminer la marée descendante comme ça. C'est la descendante, c'est ça, Alban ? Exactement. Voilà. Et puis, on va rentrer assez tôt. Donc ça nous permettra de filmer nos petites conneries habituelles. Et demain, Alban nous donnera les nouveaux horaires de pêche. Et petit à petit, comme ça, on va affiner. Et peut-être que je reprendrai mon junk fishing quand j'aurai plus d'eau, plus de latitude pour pouvoir combattre un beau poisson, si j'en prends un autre. Voilà. Numa, on a fini pour aujourd'hui. La marée, on a eu la renverse. Ça fait un petit moment qu'on pêche là sur la descendante. Demain, je vais décaler les horaires pour la pêche. Et puis, on va rentrer, on va préparer le matériel, refaire les nœuds, un peu de montage. Les hameçons affûtés. Et je vois que t'as mal à la main, Bobo. Non, c'est pas ça, mais je trouve que quand même, ça a saigné abondamment. Je suis un petit peu inquiet. Tu seras avec nous quand même demain. Oui, bien sûr, mais... Toi, moi, je me sens qu'à moitié bien, les copains. Allez, tu vas faire un bon gros dodo et tout ira mieux. Ah oui, j'espère. T'en fais pas. Ah, mon ami, mon compagnon d'hôte, nous vécûmes tant d'aventures. Et en parlant d'écume, Maxime est là? Oh, Maxime est là. Maxime, je dois te parler. Maxime, ce fut d'abord Leibniz, et puis Napoléon Ier, puis Jim Morrison. C'est mon tour maintenant. Les étoiles s'éteignent dans le ciel, une à une. Oh, tu vas pouvoir être enfin dans la lumière. Oh, Geoffrey amortira ta chute. Tu peux avoir confiance en lui. Il est un peu voleur, il est un petit peu menteur, mais il est fiable. Qu'importe. Je suis prêt. Tout est bien. Les gars,
8h demain. Troisième jour de pêche. Alors qu'on comprenne bien, en fait, tu as décidé de décaler les horaires de pêche relativement à la marée. En fait, tu veux qu'on pêche plutôt la période de la montante. Exactement. Peut-être le début de la descendante. Voilà. Hier, on a vu que ça créait des courants dans les rétrécissements et que les brochets se comportaient quasiment comme des salmonidés. C'est ça, bien actif. Bien actif. Donc, on va essayer de pêcher la période d'activité alimentaire qui dure donc une marée. On va pêcher 6 heures à peu près, 6-7 heures. Et simplement, tu voulais faire un petit point sécurité parce que tu me casses les bonbons depuis le début du séjour pour que je coupe mes ardillons. Est-ce que tu peux nous expliquer Alors, tout comme l'année dernière, quand tu étais venu en Laponie, je t'avais demandé sur le bateau d'écraser les ardillons. Oui, l'année dernière. Tout à fait. Voilà. Et moi, ça fait 15 ans déjà que je pêche sans ardillons. La première des raisons, c'est la sécurité à bord. On est souvent loin de tout. Un hôpital, c'est pas facile d'accès. En certains cas de figure, il y a 2-3 heures de voiture. Donc pour éviter les accidents, on écrase tous les ardillons sur les triples, sur les simples. Tu maximises son temps de pêche aussi. Tu maximises ton temps de pêche. Tu as vu qu'on a en plus de ça un nombre de poissons assez important ici. Et en Laponie, où il y a moins de poissons en quantité, tu as vu qu'on ne décroche pas pour autant. Donc l'élément sécuritaire, et puis après c'est le bien-être du poisson, plus facile pour décrocher. Exactement. D'ailleurs, contrairement à une idée reçue, il y a une étude scientifique assez sérieuse qui a été faite là-dessus, où en fait, ils n'arrivent pas à constater de différence de dommages avec ou sans ardillon sur le poisson. Par contre, ce qui change drastiquement, c'est le temps de manipulation du poisson hors de l'eau. Et en réalité, le bien-être pour le poisson, il se situe là. Hein, puisque après un combat, il est épuisé, acide lactique souvent. Eh ben, moins de temps il passe en dehors de l'eau, mieux c'est pour lui et ça vous laisse un petit peu plus de temps pour la photo ou la vidéo éventuellement. Donc c'est une très bonne idée et puis effectivement comme le dit Alban, là on n'est pas en France, on est loin. Et puis voilà, on se met mis un dans le doigt hier, on l'enlève tout de suite, ça évite de gâcher la partie de pêche des potes en devant rentrer ou de se lancer dans une chirurgie qu'on ne maîtrise pas toujours très très bien. Voilà, qui peut être délicat. Donc je vais m'exécuter, comme disent les talibans. On y va ? On est parti. Go ! Pour le coup, il a pas sauté. Il en reste plus d'un. Attends, on va voir. J'ai rien qui casse en fait. Ça, c'est soit... À la main ou les puzettes ? Et à la main, à la main. Il a décidé qu'il est bien caché. C'est vrai que hier, j'ai bien ramassé. Joli début, Numa, très bien. Bah écoute, deuxième lancé, ta théorie semble se confirmer. Hop, j'ai une tape. Tu vois, t'as pas traîné. Superbe. Allez, go. Numa, là on est sur une zone un peu différente, côté mer. On pêche un platier avec un cassant immédiat. On est dans les 2,50 m à 3 m de profondeur. Ça me rappelle un peu les pêches en exotique que je faisais. Et le poisson, tu vas le trouver soit vraiment à la limite du cassant, soit sur le platier. Là où il y a peu d'eau, on doit avoir 80 cm d'eau, mais suffisant pour abriter des jolis poissons. Il faut dire que là on est sorti maintenant, on est en mer hein, quasiment. Oui. C'est vrai que c'est magnifique. Allez, tiens, poisson. Ben voilà. L'image qui va avec l'explication. Les coups de tête sont sympas. Par contre, il ne s'est pas encore montré, donc. J'ai l'impression que c'était plus lourd au ferrage. Là. Ouais, peut-être... Attends, je vais anticiper au cas où. Ouais, anticipe, ouais. Et voilà, c'est joli, regarde, il est là. J'arrive. Voilà. On va prendre un revers. Et voilà, mon gars.
On l'assure. Bien joué, mon ami. Merci. Faut dire qu'ils sont beaucoup plus combatifs hein, quand ils sont comme ça. Et ils sont plus péchus. Hop. J'ai fait un peu de cinéma. Hop, allô. Avec le Deviator, un bon vieux leurre du grenier puisqu'il est sorti du catalogue. Et là, si je l'ai ramené ici, c'est parce que on a de bonnes chances de le voir revenir dans le catalogue Savage Gear. Et pour moi, c'est un des seuls jerkbaits à brocher qui rivalise vraiment avec le Buster Jerk. D'où sa présence ici. Ça va. T'es sûr? Oui. Non, mais t'inquiète pas. C'est juste que je me pose quand même la question de savoir ce qu'il faudrait faire. Bah, toi à moi, le plus simple. Hein. Ça serait peut-être pas d'appeler le conseiller Savage Gear quand même? C'est pas con, en fait, t'as raison. Et on gagnera du temps. Hein. Vu toutes les fois où il nous a sorti de la merde. Frère des ours, je l'appelle maintenant. Eh. Je connais même le mur par cœur. Forcément. Salut, c'est Numa. Oui, ça va. J'ai besoin de toi. Tu veux venir te voir? T'es où là? C'est pas vrai. Eh ben j'arrive. J'arrive tout de suite. Bonjour. Comme je t'ai dit tout à l'heure au téléphone, j'aurais bien aimé te parler. Parce que là, je suis avec les copains d'Escape Feeling et Savage Gear. Et on tourne un film sur la Finlande. Et on se rend compte qu'il y a quand même des beaux poissons à toucher. Hein. Donc, si tu avais quelques conseils, bah, je te cache pas que je suis un peu preneur. Parce que là, pas facile. Eh bien, tu peux commencer par faire un petit peu de bottom tapping. Avec des genres de gros cranks. Le coloris tigre de feu marche très bien. Tu peux également pêcher avec des grands shads, couper la queue et mettre une palette. Mais ça, je sais que tu l'as déjà fait. Tu peux également pêcher à la cuillère, même si vous n'en avez pas au catalogue. Le spinnerbait est un leurre qui marche relativement bien en Finlande. J'ai jamais essayé, donc tu pourrais le faire également. Le popper et le stickbait marchent très très bien en juillet. Là, on est au mois de mai. Tu peux essayer vu le temps qu'il fait et les températures légèrement au-dessus de la saison. Tu peux refroidir un petit peu les pieds, jeune homme, s'il te plaît? Merci, les minots, les jerkbaits, les créatures, toutes les familles de leurres que je viens de citer peuvent attraper des brochets, Numa. Et sinon, le conseiller Savage Gear, qu'est-ce qu'il t'a dit hier soir? De bien s'hydrater, je crois. Ah ouais, ça va nous aider, ça. Bon allez, c'est parti. Bon, peut-être que ce que je vais faire pour rester dans le délire, je vais peut-être pêcher avec un très gros dabush, Maxime, non? La canne le supportera, et puis au moins... Je resterai déjà sur les palettes et puis sur le big betting. Je vais mettre une belle anguille derrière. Je vais faire ça. Un spinner bait, toi les palettes ont survécu, on les a pas foutues sur des shads.
vais même laisser le trailer hook. Uniquement par peur. Je vais mettre la Colorado, puisque c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir. Ça va être beau ça. Hein. Je vais lui faire une petite coupe de cheveux pour pas que ça se prenne dans la palette. Toi, tu attrapes bien ton truc là. Tu lui attrapes bien toute la tignasse. Voilà. Ça sert à rien qu'il y ait trop de volume de toute façon. Belle coupe au bol. Ça, évidemment, on le jette pas. On le met avec les mégots dans le cendrier. Tac, on cherche une anguille. Et puis après, on met des savates. Tabaguez mon savate. Alors, que fait-on quand on n'a plus d'anguille? Eh bien, on met la queue de rechange de l'hybride pike. Et en plus, ça match niveau coloris avec le reste, donc ça va être très sympa. C'est pas très orthodoxe, mais je suis laïque. La couleur de... ça, on prend pas bien. C'est bien vilain. Et c'est ce qu'il faut. Ah bah c'est pas si vilain que ça. C'est l'hameçon chance qui a piqué. Alors vraiment le bout du bout. Hein. Je suis quand même inquiet Alban parce que c'est bien mon gros spinner mais tu vois ça dissuade pas du tout les petits contrairement à ta line sweet trout modifié. Parce que je voudrais pas que mon rôle soit réduit à enlever les petits pour qu'ils prennent les gros quoi. Je suis content, mon montage est bien sélectif. Oui. Ben voilà, parfait. Il a avec notre rattle trout shad de 27 cm modifié en shad à palette. Et alors on voit que Alban il s'est dit s'ils veulent des palettes, on va leur en mettre. On va leur en donner de la palette. Il a cassé un spinnerbait, un dabush, pour rajouter encore une willow au-dessus. Dans l'eau, l'aspect est vraiment étonnant. Mais bon, et résultat des courses, ça marche. On parlait de moyenne de prise, et là voilà, là on est quand même sur des poissons tout autres. Hein. Bravo Alban. En tout cas pour l'instant ça marche très bien. Merci. En fait Alban nous amène dans des zones où le vent crée des petits courants artificiels. Pour moi toujours pour des raisons d'équipement, je suis obligé de pêcher un peu plus léger. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai sorti une queue Pulse. Car en fait, les queues Pulse, même si dans l'eau on les voit très très peu bouger, comme c'est des queues pleines et qu'il y a un gros volume, en fait ça déplace énormément de masse d'eau. Et donc quand il y a du vent, du courant, eh bien le brochet perçoit quand même le leurre arriver et c'est très très efficace. Par contre, à contrario, les queues Pulse dans une grande taille comme ça, je ne parle pas du petit Roche Pulstel préarmé que j'aime beaucoup, sont beaucoup moins efficaces quand c'est pétole, vraiment avec de l'eau stagnante. Car là, ça déplace en réalité un petit peu trop au dos. Mais voilà, pour ce genre de conditions, c'est vraiment des leurres à posséder. Je vais le laisser nager, je vais pêcher un peu au vif pour voir. Il arrive. Alors ça, Colory Pike, ils sont venus pour se bouffer entre eux. Alors c'est marrant parce que c'est exactement la conversation que je viens d'avoir avec Alban. En fait, la moyenne des poissons qu'on voit au bateau des follow fish serait plutôt autour de 80-85. Par contre, la moyenne de ceux qu'on prend serait bien plutôt autour de 60. Et en fait, par contre, tous sont là visiblement pour s'alimenter, phénomène de cannibalisme. Mais les gros, on n'arrive pas à les décider, c'est vraiment insupportable. Et puis alors, quand on les voit comme ça et qu'on les prend pas, au bout d'un moment, ça agit sur les nerfs. Et j'avoue que même moi, je commence à désespérer. Bon, on va quand même continuer. J'ai mis mon petit Colory Pike. Pour essayer de voir si on peut en décider un ou deux, mais bon, mais pas cette taille-là, pas cette taille-là. Il est pas content. Non, il est pas content, puis moi non plus d'ailleurs, parce qu'il m'a foutu une... les doigts dans les dents. Ah ah. Dumas, est-ce que tu souffres? Là, j'ai mal. Non, en fait, c'est pas la dent, comme je pensais, c'était l'hameçon qui...
qui est parti dans le tas. Allez mon gars. Auparavant, on est en haute dérive, en tête de dérive. On a vu des poissons énormes suivre le chat d'Apalette, le rattle trout modifié d'Alban. Là, on est en bas de dérive, on touche du fish, mais c'est quand même beaucoup plus petit. Et ça nous a mis un petit coup au moral quand même, parce que c'était vraiment des très très beaux poissons. Il y en a un des deux qui a mis un petit coup de nez dans le leurre d'Alban, mais c'en est resté là. Et là, on est retombé sur des jacks, voilà, comme ça. Bon, c'est très plaisant, mais pour le coup, maintenant qu'on a vu ces gros poissons, bah, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Donc voilà, on va continuer, on va voir ce qu'Alban nous propose. Il va peut-être nous proposer d'aller boire l'apéro, tout simplement. Voilà, ce Savage World est maintenant terminé. Alors on va procéder tout de suite au jeu concours. Mais alors avant, vous avez vu, on a passé une super journée. L'équipe de tournage s'est bien éclatée. C'était bien cool. Hein. Exactement. Et la chose folle, c'est qu'on a fait un autre brochet de plus d'un mètre au Deviator. Mais en fait, pendant qu'on préparait les micros et la caméra, il a jumpé hors de l'épuisette. Jamais vu ça de ma vie encore, mais bon, c'est pas très très grave. T'es pas bon. Hein. Bon, c'est comme ça. En tout cas, si vous voulez maintenant participer au jeu concours qui vous permettra de gagner un superbe lot Savage Gear, que j'ai pas encore déterminé, et le tirage au sort aura lieu juste avant la sortie du prochain Savage World, eh bien vous tapez dans un commentaire, si possible de manière un petit peu subtile, vous tapez Laplande Pro Nature. Vous cherchez l'orthographe sur Google, ça améliorera le référencement. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité, merci beaucoup du fond du cœur. N'hésitez pas à commenter ce film, à le liker si vous l'avez aimé, partagez-le. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau Savage World. It's a Savage World! Ouais. Yeah.